Ah, parti sur le nouveau jeu. Pendant ce temps-là, je laisse le jeu faire sa vie et moi je mets à jour la contrainte. Épisode 1, la menace fantôme. Merde, la République Galactique est en pleine ébullition, la taxation des routes commerciales reliant les systèmes éloignés provoque la discorde. Pour régler la question, la cupide Fédération du Commerce et ses redoutables vaisseaux de guerre imposent un blocus à la petite planète Naboo. Face à ce dangereux engrenage, alors que le Congrès de la République s'enlise dans des débats sans fin, le chancelier suprême charge en secret deux chevaliers Jedi, gardiens de la paix et de la justice dans la galaxie, de résoudre le conflit. Bon, sinon pour la contrainte. Voilà, j'ai pas le droit aux soins. Ah oui, bah moi je connaissais pas. Moi j'étais allé le voir au ciné. Je crois qu'on allait le voir au ciné avec mes parents. Quoique il date de quelle année celui-ci? L'année 2000, non? '97? Non, on n'est pas allé le voir au ciné alors. Alors mes parents ont dû aller le voir au ciné, mais moi je crois pas. Quoique. Alors les autres contraintes, c'était interdiction des sous-titres et des voix off. Et la dernière, c'était à part le sabre, Taras. Littéralement. C'était sabre laser ou rien. Donc sabre laser ou rien, j'avais gardé pour la post-logie. Et dans les 2 secondes, le clip vidéo. 99 pour le 2 et 2001 pour le 3. Il y en a un que j'ai vu. We will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have revenge. Ouais, c'était pas de sous-titres en 1, 2, 3. Et en 4, 5, 6, c'était sabre laser only. Oh, ce clip. Parce qu'on me l'a donné, Assassin. Tu sais, c'est le tirage au sort pour Handicap Me Stream. C'est juste parce que Rayson m'a donné le jeu. C'est le choix, hein, c'est le jeu. C'est pas moi qui choisis le jeu, en fait, Assassin. J'ai jamais choisi le jeu dans cette émission, à part une ou deux fois. Mais je crois que c'est un bonus du DVD. Je crois que c'est un bonus du DVD en fait, ça à la base. Ouais, c'est ça avec les dessins et tout. Je crois que ça doit être, ça fait partie des bonus en fait qu'on a sur le DVD. Et qu'à l'époque c'était vraiment. Bon, le making of. La VOD va se faire strike. Si elle sort un jour. Toujours trouvé ça incroyable quand ils allaient dans le désert et qu'ils montaient ça. Ah, les mecs qui ont les casques aussi. R2-D2 qu'on voit. Vecteur qui joue Dark Maul. Anakin John. Merde, j'ai plus son nom à elle, Ewan McGregor, et l'autre, comment elle s'appelle déjà, c'est Nathalie Portman. Et Liam Neeson. Oui, c'est Liam Neeson qui gagne. Putain, l'acteur qui fait Dark Maul, je sais jamais qui est son blaze. Oui. Oui, oui, ça m'a fait marrer ça. J'ai vu Samuel Jackson qui a dit non, mais je veux ça, moi. Je veux ça, je veux du violet. Il a dit ok. Avec merde, John Williams, ça, la musique, je crois, c'est John Williams, ça.
Putain, mais c'est incroyable. Cette musique est incroyable, hein, Duel of Fates. Bon, elle est incroyable, elle est géniale. Ouais. Ah putain, Old Yoda, la poupée dégueulasse du... La poupée dégueulasse. Ah, Jabba. Le grand retour de Jabba. Et puis Ewan McGregor avec sa petite queue de rat là. Voilà. Ah, méchant rouge et noir. Bah, l'acteur est incroyable aussi. Hein. On va être clair, Mince, j'ai plus le nom. Le maquillage aide beaucoup, certes. Ah, les effets spéciaux qui ont tellement vieilli pour certains. Allô? Allô, le jeu? Allô? Le jeu? L'ému qui a lâché ou quoi? Ah ouais, non, mais si. Mais ouais, mais c'est ça, quoi. S'il faut que je lance en anglais, alors je me suis fait chier à récupérer le FR. Ça va me buter. L'ému. Oui, ça, c'est normal. On va essayer de voir si ça peut se lancer rapidos. Bah même le... Ah. Merci. Par contre, j'ai pas pu mettre les sous-titres. Fait chier. Il va falloir que j'aille dans les options. Oh, c'est moche. J'ai un mauvais pressentiment. Voilà, les vraies voix, merci. Je crois que c'est les vraies voix. Tes sentiments sont justes, Obi-Wan. Mais ne les laisse pas obscurcir ton jugement. Yes! Quel est votre plan, Qui-Gon? Quand le vice-roi de la Fédération du Commerce sera là, nous devrons le convaincre de quitter le système. Ils accepteront de partir? Les vice-rois sont des lâches. Cette réunion ne sera pas longue. Quoi qu'il en soit, attends-toi à tout, même à l'imprévisible. Bienvenue. C'est quoi déjà pour Safe State dans le jeu? Droïde de protocole au service de la Fédération. On a skippé tout un passage. Putain, la caméra aux chiottes.
Apparemment, la Fédération du Commerce se prépare à attaquer Naboo. Ah oui, c'est ça. Je me souviens à peu près du jeu Blaster. Ah oui, c'est vrai qu'on peut tout allumer. Si nous pouvons atteindre la baie Hangar, nous pourrons nous échapper. R2. Oh putain! Est ouverte. Allons-y. Attends deux secondes, Qui-Gon. Ah merde, super medic. Ben voilà, j'ai pas le raw heal, mais je savais même pas qu'il y avait un medic pack. Ah putain de merde, cassons-nous. Il y a forcément un panneau qui contrôle l'ouverture de cette porte. La porte est ouverte. Allons-y. Le centre de commandement du vaisseau est droit devant. Pourront nous échapper. Ce sale jeu. Oh putain! Oh putain, je le savais. Hey!
Ah merde, je suis mort. Ah mais non, mais je suis obligé de re... Oh. Pour ça qu'en fait, on va jouer en invincibilité, hein, je le sens. Se remplit de gaz toxique. Alertez la sécurité. Et des fraudes. Apparemment, la Fédération du Commerce se prépare à attaquer Naboo. Ghetto Blaster. Ah bah c'est Raisan, hein, mais si ça me casse les burnes, on va jouer à ma manière. En fait, j'ai compris, ouais. La porte est ouverte. Allons-y. Allez, je suis pas médic, on s'en fout aussi. Il y a forcément un panneau qui contrôle l'ouverture de cette porte. La porte est ouverte. Allons-y. Alors là, on fonce. Le centre de commandement du vaisseau est droit devant. Cours ! Cours, cours, cours ! Eh ! Hey ! Hey, ciao ! Ils sont trop nombreux ! Suis-moi ! Oui, c'est vrai qu'on a déjà arnaqué le truc. C'est la faute de Raisan. Mais c'est vrai qu'on peut courir dans le jeu, j'ai zappé. Vous avez pénétré dans une zone interdite. Vous serez éliminé. Hein ? Quoi ? Résistance est faite. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais je prends. C'est quoi? J'espère que c'est pas un médipack. Ah putain, mais c'est un super... Mais il est nul ce jeu, j'arrive pas à reconnaître. Bon, ok, maintenant on sait à quoi ressemblent les super médipacks, mais quand même. Non, j'ai pas le droit au heal. Hey!
Bah c'est Raisen qui m'a donné les contraintes, j'avais pas trouvé d'autres. Quoi, y'en a un derrière? Putain, j'avais pas vu. Alors ça, c'est la suite. Déjà, je pense que finir le jeu, c'est déjà une contrainte en soi. Non, déjà, essayer de finir le jeu, c'est déjà une contrainte en soi, mais alors comme ça. Et puis on va save. Save. Oh. Ne me faites pas de mal. Cette invasion, c'était pas mon idée. Que faites-vous ici? Que faites-vous ici? Je surveille les générateurs de puissance de la base. Comment se rendre au hangar? Derrière le sas de sécurité rouge. Mais tant que la source d'énergie sera intacte, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Je dois trouver un moyen de couper l'alimentation du sas. Non! Ne touchez pas au générateur! Laissez-moi tranquille! Laissez-moi tranquille! Je veux bien, mais quoi? Il faut aller d'un autre côté, c'est ça? Non mais c'est vrai que je peux courir. Putain, à chaque fois j'oublie que je peux courir. Alors. Quelle est l'arnaque derrière cette... Eh bien une arnaque, mais... Ne me faites pas de mal. Thank you.
avez pénétré dans une zone interdite. Vous serez éliminé. Obi-Wan. Ah. Les transports de troupes en bas partent pour Naboo. Faufile-toi dans l'un d'eux. On se retrouve en haut. Quoi ? J'ai pas compris. Où la paix, toi? Non, qu'on save, la vie est pas régène. Si tu veux, on va faire une save. On va faire un test, hein. Si la vie est régène dès qu'on save, par contre, c'est pas mal, mais... Oh putain! Et voilà. C'est une heure in-game time, ça fait une demi-heure. Mais non, mais... Sinon, on va tenter un truc incroyable. Run, run, run! Je veux pas gagner, jeu de merde! Ah, les boules, quoi. Sinon, on va faire du cheat code, hein. Clairement, je vois pas comment faire. Alors... On va pas aller plus loin. On va charger. Alors. Ah ouais, non mais...
comment veux-tu que je réussisse à faire quoi que ce soit? Non mais le jeu... Non mais... Je comprends pas comment tu peux... Déjà, je comprends pas ce que j'ai branlé à faire ici, littéralement. À moins d'ouvrir un accès, je vois pas quoi. Rigoler. Bah non, logique. Faut que je recharge encore en arrière, mais à 33, j'étais où à 33? À 33, c'était pas l'enfer sur Terre? Ah si, c'était là en fait. Un truc, allez-y, ouvre. Cassez-vous. Alertez la sécurité. T'es pas si loin. Obi-Wan. Et vu que j'ai plus de vie, ça pourrait le faire. Transport de troupes en bas, partent pour Naboo. Faufile-toi dans l'un d'eux, on se retrouve en haut. Allez, let's go. Je comprends même pas ce que j'ai fait. C'est ça qui est beau. Ah ! On a réussi ? On va finir le niveau? Dites-moi qu'on finit le niveau. C'est incroyable, on va finir le premier niveau. Mon Dieu, on a fini le premier niveau après tant de galères. Ça va, le jeu, il va être rapide.
Au moins, il y a des belles cinématiques entre les beaux FMV, mais... Bon, les beaux. Oh le FMV dégueulasse. Le niveau le plus court du jeu est fini, ouais c'est ça. C'est l'intro. Oh non mais j'aime pas ce niveau, on s'y perd tout le temps, c'est l'enfer sur terre. Il faut gérer Jar Jar de ses... Les marécages de Naboo. Avec la pire caméra du monde. Attendez, j'ai toute ma vie, on va sauvegarder quand même. Je crois que ça va à peu près pour le moment. Et là, ça va être le début des embrouilles. Attendez, on n'a pas pris trop de dégâts, on peut se permettre une sauvegarde. Ça, on va éviter de les tuer, ça fait les bonnes cibles. Bah merde, c'est où la suite? Ah oui, ok, c'est là. Avec Jar Jar. Qui es-tu? Merde! C'est bon, je me souviens. This is where I die. Ok. Ça va être infernal, moi je vous le dis. Hein. Attends, non, me dis pas que c'est à nouveau Jar Jar. Ah putain, va falloir se retaper un. Va falloir se taper l'autre con qui parle à nouveau. Missa, pas Missy, 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 Missa. Mamassé, Mamassa, Mamatoussa. Et ça, je suis le plus gros casse-couille de l'univers. Ne compte pas sur Miss. Esquive. Alors. Après, ça va, c'est vrai que le système de sauvegarde fait que tu peux sauvegarder pour tout et n'importe quoi. Regardez. Ouais. Allez, salut hein. On s'en est pas trop mal sorti.
Je trouve ça dommage en fait qu'on... Des putains de Jedi, on a du mal face à des connards. Merci Michael Owen pour le host, pour le pire jeu du monde. Merde. Oh putain. C'est vraiment un jeu de merde. Paraîtrait que c'est pas ouf. C'est même de la grosse merde embarquée, ce jeu. Oui, Jedi. En plus, je crois que Jedi Power Battle, c'est pas un jeu PS2. Pourquoi je me fais chier avec lui depuis le début ? Pourquoi j'ai... Mais quittez-toi ! Ah oui, d'accord.
Ouais, mais il y a la vie en bas. J'ai pas le droit à la vie. Oh putain. Non, Jar Jar. Hey, là-haut. Oui, bah Jar Jar. Oh, j'ai pris un Medipack par erreur. Héo, par ici. Alors, t'avais ton Héo par ici, moi je veux savoir ce que c'était là-bas. De toute façon, pour remonter, c'est la merde, non? C'est quoi l'arnaque? Oh non. Bah non. Non, ok. Comment on atteint Jar Jar? Comme ça? Non. Voilà le drame de mon enfance. Merde. Non mais j'aime bien le « Eh oh, par ici !» Mais toi, t'es en mode « Bah oui, mais par ici, c'est où, connard ?» Thank you.
comprends pas l'arnaque. Plus c'est la musique qui bug toutes les 5 secondes. Que quelqu'un me dise à la limite, oh, je sais comment faut faire. Je rigolerai un grand coup, tiens. Ah putain, paraît combien que c'est un de ces arbres de merde qui est pété. Pourquoi je suis tout? Bon, quand on ne sait pas, déjà on sauvegarde. Et ensuite, on va regarder, on va céder, hein, parce que bon, c'est de la merde. On est d'accord? Star Wars Universe. Et tu as avancé la pièce. Mais non, mais j'arrive pas à avancer de pièce. De quoi tu me parles? Mais non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mais... Je vois... Mais attendez. Et... ça? Bah non. Non, non, mais je peux pas les pousser. C'est quoi ces conneries? Mais non, mais je vois en plus... Regardez, le jeu me montre qu'il y a quelque chose. On est d'accord? Oh non. Le jeu montre bien qu'il y a quelque chose, mais je comprends pas. Comment on pousse?
chance. Fallait juste maintenir rond. C'est vraiment un jeu de merde. Et après l'avoir loqué, tu fais ce que tu veux. Mais c'est vrai. Fallait appuyer sur rond comme un débile. Quel enfer. Oh, run. Wouhou! Merci, mais ça va me mettre à l'abri. En fait, dans ce jeu, ce qu'il faut faire, c'est courir. Quoi? Pourquoi il a semblé des crapauds, là? Je sais pas où je vais. Je suis même pas sûr. En fait, le meilleur moyen d'avancer quand il y a beaucoup d'ennemis, c'est de courir comme un débile. Il y a une chance sur deux pour que ça passe. Combien de temps ça fait? Ah ouais, bientôt l'heure d'arrêter en plus. Attendez, il a dit où Missa Ah ok, c'est vraiment Missa. Missa, je suis un idiot, ok. Cassez-vous la... Les crapauds là. Ça grimpe. Tu sais pour regarder ces machines. Voilà. Mis ça dans les emmerdes. Ça ne sait pas où il va. Oh putain! La Missa Runaway. Attends, Missa... Tissa, comment Tissa est arrivé Issa? Viens par ici. Oui, bah... Mais ça, attends ici jusqu'à ce que Tissa puisse grimper. Tissa vient de grimper? Oh oui. Non. Je sais pas. Il est passé par là. Ok, c'est bon, je vois. Viens par ici. Oui, je viens par ici. Deux secondes. Tissa, attends ici. Oh, déjà vu. La 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 la. Non mais... Ah putain. Ce que je déteste le plus dans ce genre de jeu. Salut Alpha, comment vas-tu? Ah. La recherche de ce puissant Jedi. Peux-tu me conduire jusqu'à Qui-Gon? Quoi? C'est quoi Qui-Gon? Il me ressemble. Missa, vu de nouvel ordi, papa. Missa accroché à ce Jedi. Missa suit redevable. Ah ouais, tu réinstalles tout, quand même. Peux-tu me dire où il se trouve?
Suis-moi aussi. Suis-moi aussi. Tout ça a bien tiré. Non! Singe, singe. Ça, les Jedi, êtes pas aussi doué qu'on ça, le dit. C'est quoi Qui-Gon? Obi-Wan the Jedox, c'est ça? Non! Merci. Non mais pourquoi? Qu'est-ce que... Je viens de faire un tour. Je suis vraiment débile. Je suis vraiment roi des débiles. Bonjour. Mais comment je me suis... Là, c'est ça. J'ai trouvé, c'est bon. Oh, c'est un vieil save. Sonic the Jedi, quoi, finesse. Ah oui, on peut en fait. Mais pourquoi? Mais non, mais je m'accroche à rien, c'est ça que... Mais ça s'accroche à... Ça s'accroche à mon sbi, ouais. Putain. Voilà. Ah mais c'est de la merde. Si. Suis-moi. Dis-moi qu'on a bientôt fini le niveau. Oh là.
En fait, le jeu, la contrainte, ça va être finir le jeu. Quand je vais riner, hein, ça va pas être pas de vie. Non, non, c'est juste finir le jeu. Et j'arrive. Comment tu t'accroches ? D'accord. Ah! On a trouvé. Merde. Ah! Quel enfer. J'espère que c'est la seule phase du jeu qui demande ça. Missa maladroit, mais Missa peut t'aider. Suis Missy. Où ce con? Obi-Wan, par ici! Je vois que tu as fait la connaissance de Jar Jar. Nous devons Mon trouver Dieu. Un endroit sûr jusqu'à ce que ces droïdes s'en aillent. Nous a trouvé refuge à Otogonga. C'est là que Missa est grandi. C'est une ville sûre. Tu peux nous y conduire? C'est triste, mais Missa suis banni. Les chefs furies du gros Smirette, si Missa, retournez là-bas. Missa buguait beaucoup. Tu entends? Ceci est le bruit d'un millier de terribles machines qui se dirigent droit sur nous. Je comprends ici. Par ici, vite. Missa avertit ici. Les Gongan n'ont pas aimé les pas Gongan. Ne compte pas sur un accueil caloureux. On a fini le niveau ? Oh oui, on a fini le niveau ! Putain, oh la FMV dégueulasse ! La FMV immonde ! Oh non, mais non, mais ils ont cramé le truc, quoi. Puis ils te font de ces mouvements, tu sens qu'ils sont d'une souplesse.
Incredibulu. Bon, bah vous savez quoi, c'est là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Clairement, la contrainte, j'arrive pas.